Seigneur, toi qui as éclairé le firmament par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes eaux. Septième dimanche de Pâques, nous sommes toujours avec l'évangile selon saint Jean. Et ce dimanche 7, nous allons entendre le début du chapitre 17 de saint Jean, versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue ». Alors je m'arrête un tout petit peu sur « l'heure est venue » parce que Jésus répète ça un certain nombre de fois, ce qui nous montre qu'il est le maître du temps, que rien de ce qui arrive ne vient du destin ou d'un hasard, hein, que tout arrive avec sa permission parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme, et que tout arrive en son temps. L'heure, ça veut dire le temps précis pour un événement précis que Jésus va vivre librement, totalement librement. Voilà ce que dit saint Augustin pour commenter le début de ce chapitre 17. Jésus commence sa prière en ces termes « Mon Père, l'heure est venue ». Et il nous montre ainsi que, loin d'être nécessairement soumis au temps, il était le suprême ordonnateur du temps où devaient s'accomplir les actions dont il était l'auteur immédiat ou qui ne se faisaient que par sa permission. N'allons pas croire que cette heure soit venue comme amenée par le destin. C'est Dieu lui-même qui l'avait fixée dans ses décrets, car loin de nous la pensée que les astres aient pu contraindre à mourir le créateur des astres. Alors, l'heure est venue et Jésus ajoute « Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie ». Ça va être comme un refrain dans ces quelques versets. Six fois glorifier la gloire, glorifier, être glorifié. Alors, je rappelle rapidement que le mot « gloire » en hébreu, ça veut dire ce qui a du poids. Hein. La gloire de Dieu, c'est Dieu avec tout son poids de divinité, donc d'amour, de tendresse, toute sa puissance de salut. C'est ça la gloire. Hein. Alors, « glorifier », ça veut dire manifester la gloire de donner du poids. Hein. Voilà, donner du poids, on pourrait dire, hein. Quelque chose comme ça. La gloire de Dieu est à l'œuvre depuis les origines du monde, bien entendu. Et Moïse en a fait l'expérience. Moïse et le peuple en ont fait l'expérience lors du temps au désert. On le voit par exemple avec le miracle de la manne, où il est dit, Exode 16, 7, « Ce soir, vous saurez que le Seigneur vous a fait partir du pays d'Égypte et demain matin, vous verrez la gloire du Seigneur. » Gloire du Seigneur, ça va être cette nourriture miraculeuse que le peuple, avec laquelle le peuple va se rassasier pendant les 40 ans du désert, la manne. La gloire de Dieu. Alors Moïse a vu d'innombrables manifestations de la gloire de Dieu et on est très étonné quand on arrive au chapitre 33 de l'Exode, au verset 18, où Moïse dit tranquillement à Dieu, « Fais-moi de grâce voir ta gloire. Je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » On lui dit, « Qu'est-ce qu'il lui faut de plus ?» Il lui faut de plus que Moïse, qui était un mystique, voulait entrer dans la présence de ce Dieu vivant, hein, voulait vivre en communion parfaite avec ce Dieu vivant et donc contempler sa gloire, ça voulait dire d'une certaine manière s'unir à lui. Et pas de réponse, hein, évidemment. Ma gloire, tu ne peux pas la voir. Je vais passer devant toi avec toute ma splendeur, etc. Tu pourras voir mon visage. Tu ne pourras pas voir mon visage. Hein. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher, etc. La gloire de Dieu, on en voit des manifestations. Mais tout le poids de divinité présent au milieu de nous de manière visible pour nous sauver, ça, il faut bien entendu attendre Jésus. C'est pour ça que saint Jean, émerveillé, écrit au début de son évangile, chapitre 1, verset 14,
Le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Quand Saint Jean écrit « Nous avons vu sa gloire », ça veut dire « Nous avons contemplé ce à quoi aspirait Moïse de toute son âme » et tout l'Ancien Testament et tous les prophètes avaient envie de voir cette gloire. C'est-à-dire un homme, hein, mystérieusement, un homme revêtu de la gloire de Dieu, un homme vrai Dieu et vrai homme. Nous avons vu sa gloire. Saint Paul aussi parle de la gloire du Seigneur avec un jeu de mots très savoureux. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, « Notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire, poids et gloire c'est pareil, de gloire éternellement qu'elle produit pour nous. Enfin, cette gloire éternelle que nous attendons, c'est ne faire qu'un avec le Seigneur de gloire. Donc voilà pour glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, c'est une question de manifestation, de théophanie, hein, si vous voulez. Je continue avec l'histoire de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est extrêmement important. On a été créé pour connaître Dieu. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu, entrer dans l'amour de Dieu. Ça a été rendu impossible à cause du premier péché. Avec le mensonge, le mensonge de Satan, hein, qui dit à Ève, le jour où vous mangerez de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ça c'est Genèse 3, 5. Et en réalité, cet arbre, je lis Genèse 2, 9, le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a qu'un seul arbre de vie. L'autre, on commence à craindre que ce soit un arbre de mort puisqu'il s'oppose à l'arbre de vie qui lui est au milieu du jardin alors que l'autre est dans un coin du jardin mais signe de notre liberté. Bon. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il faut savoir que cet arbre de la connaissance du bien et du mal dont Adam et Ève ont mangé était en fait l'arbre de la confusion, l'arbre du bien-mal. Et vous avez l'arbre de vie qui, à travers la connaissance de Dieu, nous donnait la vie, et puis l'arbre de l'ambiguïté, de la confusion, de l'autonomie aussi. Je décide tout seul de faire ce qui est bien ou mal, ou plutôt je décide tout seul de ce qui est bien ou mal dans ma vie. Et cet arbre, donc, va conduire à la mort. L'arbre de vie conduit à la vie éternelle, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal conduisait à la mort. Je lis ce que dit la tradition juive. Avant le péché, l'homme possédait la connaissance de la vérité. Depuis que le premier couple abandonna l'arbre qui produit la vie éternelle pour s'attacher à celui qui procure le bien et le mal confondus, les hommes ne savent plus discerner le bien du mal, la justice de l'iniquité. Tout ça pour dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était tout sauf un arbre de la connaissance. Dieu veut qu'on le connaisse amoureusement. Et les milliers de pages de la Bible, le but c'est comment connaître Dieu qui nous aime avec des intelligences qui ont été abîmées par le péché. Alors, l'ignorance de Dieu, c'est pas ce que Dieu veut. Alors, voyez ici, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. On comprend très bien le lien entre les deux. Voilà ce que dit Benoît XVI à ce sujet. L'homme a trouvé la vie quand il s'attache à celui qui est lui-même la vie.
La mort peut l'enlever de la terre, mais la vie qui la transcende, la vraie vie, celle-là demeure. C'est la relation avec Dieu en Jésus-Christ, donc la connaissance de Dieu par Jésus-Christ. C'est la relation avec Dieu en Jésus-Christ qui donne cette vie qu'aucune mort n'est en mesure d'enlever. Voilà ce que ça veut dire. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je vais vers la fin du texte de dimanche. Vous avez cette formule un petit peu curieuse et qui choque à juste titre. Jésus dit « Je ne prie pas pour le monde ». Voilà. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Alors on dit, ben alors là, ça c'est quand même le comble, Jésus qui ne prie pas pour le monde. Alors, une interprétation possible, c'est de dire que Jésus prie d'abord pour ceux qui vont être appelés à l'évangélisation et qui vont attirer le monde à lui. C'est le même principe que l'évangélisation d'abord des juifs et ensuite des païens. Vous avez par exemple dans Saint Matthieu chapitre 10, versets 5 et 6, Jésus envoya les 12 en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et d'entrer dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Commencez par Israël. Et lui-même commence par les disciples, il prie pour que les disciples soient transmetteurs du salut, soient évangélisateurs, attirent le monde à lui. Voilà. Parce que nous savons très bien que le Fils est venu pour que le monde soit sauvé. Hein, ce fameux texte qu'on cite souvent, Jean 3, 17. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Ou encore, dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, au verset 2, Jésus, c'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Et puis, finalement, dans les Colossiens, voilà ce que dit Saint Paul, premier chapitre des Colossiens, versets 5 et 6. Dans l'espérance, nous vous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles, dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, l'Évangile, qui est parvenu jusqu'à vous. L'Évangile, lui qui porte du fruit, pardon, et progresse dans le monde entier, etc. Porte du fruit, progresse dans le monde entier. Donc vous avez reçu l'annonce de la parole de vérité, l'Évangile, qui est appelé à progresser dans le monde entier. Par qui? Par nous tous. On doit annoncer au monde la vie éternelle de la part du Seigneur. Et je termine avec « Je suis glorifié en eux, dit le Seigneur. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde. » Jésus va être glorifié, justement, va être manifesté avec tout son poids de gloire grâce à ceux qui vont prêcher son nom. Saint Jean Chrysostome. C'est-à-dire, alors même que je ne serai plus présent sous une forme sensible, je serai glorifié dans la personne de ceux qui donnent leur vie pour moi comme pour mon Père et qui me font connaître par leur prédication comme ils font connaître mon Père. Sœur Claire, merci. Sauve tous ceux qui te